go. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Forest City, en plein milieu de la Malaisie. C'est le projet un peu fou d'un milliardaire chinois qui a voulu construire une ville écologique. Le problème, c'est que le projet a complètement foiré et maintenant, c'est la plus grosse urbex du monde. Vous le voyez juste derrière moi, il y a énormément de bâtiments à aller explorer. Ils attendaient plus de 700 000 habitants et il n'y a que 2 000 personnes qui vivent ici actuellement. On a 2 jours pour aller explorer tout ça. On va voir si c'est possible de faire du parcours et de visiter un petit peu les bâtiments parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de sécurité. Mais avant ça, on a sorti une nouvelle capsule qui s'appelle Night Call. Elle va comporter un nouveau t-shirt, un pull et une nouvelle veste. C'est un article qu'on sort jamais, c'est la première fois, du coup ça va être un peu spécial. On espère que ça va vous faire kiffer. La veste, elle sera en précommande, et si vous la commandez en précommande, il y a moins 20% de réduction. Et il y aura un petit délai de livraison en plus, de 3 à 5 semaines, du coup n'hésitez pas à aller faire un tour. Et en fait, les vestes, elles sont brodées, donc c'est pas sérigraphié, comme le fait Flo normalement sur nos vêtements. D'ailleurs, Flo, vous avez peut-être remarqué, mais il est plus là, il est plus dans les vidéos, il est plus en Asie. On peut pas réellement vous dire pourquoi aujourd'hui, mais ça arrivera, on fera une grosse vidéo là-dessus parce qu'il s'est passé une grosse dinguerie. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, allez sur le site. Nous, c'est comme ça qu'on peut continuer à faire des vidéos. On a tourné une petite promo de nuit à Kuala Lumpur où vous allez pouvoir voir un petit peu mieux les vêtements et l'ambiance qu'on a mis dans cette collection. Keblo ici. T'as pas de réseau en plus. Pas de réseau. C'est on est dans une espèce de salle de conférence, de réunion. C'est trop bizarre. What? Comment ça se fait qu'on peut pisser? C'est trop stylé en vrai comme endroit. Mais par contre, c'est trop bizarre d'arriver à un endroit comme ça aussi facilement. C'est trop
trop stylé de base cette idée de faire une ville avec genre plein d'espaces verts où tout est recouvert de plein de végétation. Mais en fait, ils ont tellement fait de là. Et tu sens tellement que c'est artificiel que ça fait bizarre d'être là. À la base, en fait, cet endroit, c'était censé être un petit peu une révolution économique et écologique. Mais il s'est avéré en fait que ça a été un véritable désastre. Déjà, c'est une île artificielle. Donc elle a été entièrement créée par l'homme, ce qui a détruit énormément de faune et de flore. Et aussi c'est un projet de plus de 4 milliards de dollars. Ce qui fait qu'économiquement parlant, bah, c'était pas du tout raisonnable. Voici la suite présidentielle. Tu regardes là-bas, tu vois des battes, genre t'as l'impression que c'est un film, t'as l'impression que c'est The Last of Us. Et là il y a une piscine genre entretenue parfaitement, et y a personne. On n'a pas vu un mec dans l'immeuble. Ce serait incroyable de pouvoir trouver un saut des étages au-dessus, ce serait fou. Mais bon, par contre il y a zéro fond quoi. C'est juste histoire de se baigner quoi, je pense qu'il y a ça de fond. Je vais faire une coulée mais ce serait incroyable quoi. Quand j'ai vu la piscine et le saut, je me suis dit bah c'est pas possible. Comment tu as eu la vie là fait. Moi ça se voit. Il y a ça de fond et il y a deux étages. Tireur de vin. Voilà, et tout est en place. Tout est en parfaite santé. C'est des faux livres. Oh l'arnaque. Tout est fou en fait. Il y a tout genre, prévu pour accueillir le président, mais il n'y a personne. C'est vraiment trop bizarre. Je vais regarder en haut. What? Je ne peux pas trop avancer plus, je crois. Je crois que ça peut sauter de là, là. Moi, ouais, je pense que je le fais. Hein. Regarde là, là. Bah, en fait, c'est facile, mais j'ai l'impression qu'il y a ça de fond. Il y a ça. Dans tous les cas, je vais arriver comme ça, je pense. Ouais. Et je vais plier de manière à faire genre. Ouais, direct. Ouais. La hauteur, elle m'impressionne pas. C'est juste qu'une fois qu'on aura lancé, on va être bien visible. Ça va faire un gros splash, je pense. Ouais, faudra filer quoi. Et moi, je serai trempé. Mais bon. C'est là pour ça. C'est abusé comment, c'est super drôle de voir son pote sauter dans une piscine comme ça. Ça a aucun sens, et c'est toujours la même satisfaction de le voir sauter. Tu sais qu'il est arrivé, tu sais que tout va bien, du coup c'est trop drôle. Je suis obligé de rigoler quand je suis derrière la caméra, c'est trop bien. Oh, Mathieu vient de faire un saut dans une piscine de multimillionnaire là. C'est un délire, avec la vue de Singapour là, c'est trop stylé. Mais par contre le problème c'est que bah il a bien touché. Du coup Louis il le sent pas trop, parce que Louis souvent il va plus profond que Mathieu. Du coup, bah, vaut mieux se résigner dans ces cas-là et du coup, on va redescendre, histoire de pas se faire cramer. Et on va continuer à explorer la ville, même si Mathieu, il va être trempé. En vrai, faut pas reproduire ça parce que ça peut vraiment être très dangereux. Genre, moi, j'ai entendu plein d'histoires comme ça avec des piscines sans fond et des gens qui se pètent le coccyx ou des trucs comme ça. Ça fait trop peur. Après, voilà, on sait quand même ce qu'on fait, mais faut pas reproduire. Là, on se barre relativement vite. Parce qu'on a vu que l'ascenseur, en fait, il se déplaçait. Donc, si ça se trouve, il y a un mec qui est en train de checker tous les étages. C'est genre le close call, là. Le mec, il était juste à côté. On se croirait vraiment dans un jeu, en fait. Bon, c'est bon, mission accomplie. On a réussi à sortir de la tour. On va essayer d'explorer un peu tout ça. On a un beau terrain de jeu là. En fait c'est un peu bizarre parce que comme il y a des plantes à toutes les fenêtres, genre à première vue on se dit ah bah il y a des gens, ils ont mis des plantes. Mais en fait c'est juste que c'est le style de la ville.
C'est comme ça qu'elle a été construite. Mais du coup, là, tous les balcons, ils sont vides, il n'y a personne. Ce qui est bizarre, ça fait une ambiance un peu chelou. En fait, là, il y a un parc qui est vraiment en état, genre, en état parfait. Les enfants, ils peuvent venir jouer et tout. Et les apparts, pareil, c'est en état parfait. Mais juste, on dirait plutôt que les gens se sont barrés plutôt qu'il n'y a jamais eu personne. En vrai, c'est fou, ça fait tellement ambiance post-apocalyptique. J'ai l'impression d'être dans The Last of Us. La végétation, là, sur les immeubles, c'est trop, trop stylé. Juste de finir la série, en plus, du coup, c'est exactement comme ça. De rentrer dans un des bâtiments, parce qu'il y a une espèce de forêt de bâtiments. Et on va voir si on peut aller sur le toit, voir, prendre un petit peu de recul sur le truc. L'ascenseur, il peut aller que jusqu'au 2, sinon il faut une carte, du coup, se taper les étages. On va essayer de vous montrer, on va prendre un étage genre random. Et on va voir s'il y a réellement des gens qui habitent ici, si les portes sont toutes ouvertes ou pas. Moi j'ai investi de l'appart. Là venez, je vais vous montrer une cuisine en marbre de chêne. Si on veut dormir quelque part, il y a clairement personne qui habite ici. Des apparts comme ça, il y en a des milliers ici. Le fric qui a été foutu en l'air là, c'est impensable. Plusieurs milliards de dollars. Forest City, ça porte bien son nom. Hein. Il y a des pommes partout. C'est chez nous, ça y est. On a investi dans un petit appart, ça fait plaisir. Bon, on n'a pas trop de voisins, pas trop de vis-à-vis. Voilà. Nous voyons. Putain, on peut voir tout ce qui se passe. On peut parler. What? C'est où? On peut ouvrir la porte. Oh yes. Non, c'est fou, ça. Qu'est-ce que tu fais, frère? Il appelle des gens. Bon, on continue, on va voir si on peut monter sur le toit. Il y a des mecs qui sont en train de bosser dans le bâtiment d'en face. Ils nous ont vus, ils ont crié. Mais en fait, c'était juste pour nous dire bonjour. Ils sont trop cool ici. Les gars, ça fait quoi d'aller dans un petit commerce d'une ville abandonnée, un petit supermarché? On va aller tester ça. Regarde, les crevettes, mon pote, elles sont tristes, hein. Elles sont toutes noires là. Après, c'est trop, je connais pas les espèces et tout, mais. Non, mais une crevette, c'est de cette couleur là de base. C'est vrai? C'est comme ça. En fait, quand ça cuit, ça devient orange. Mais du coup, vu qu'on est dans une ville abandonnée, je me suis dit, ah ouais, les crevettes et tout, elles sont fantômes. Mais non, je suis taré. Complètement débile. Ça, c'est des trucs que tu pètes dans ta bouche, là. Oh, et lui, il est là ça, pour mourir. Non, je prends pas ça, mais genre, vous voyez, vous mettez la fraise, là, et clac, ça craque. On est tous là pour des raisons. Et tu chopes un cancer plus vite que prévu, en fait, c'est ça le but. Avec ça, tu finis diabétique beaucoup plus vite, à mon avis. C'est sûrement pour ça qu'il y a personne dans la ville. Hein. C'est un arc-en-ciel. Ils vendent des trucs chelous, aussi, faut pas s'étonner. Hein. Je crois que c'est l'heure d'aller dormir. En tout cas, c'est l'heure d'aller se reposer. Pour se reposer, rien de tel qu'un grand appartement, vu sur mer, avec une piscine.
Du coup là on vous emmène, c'est parti, on y était aujourd'hui. Vous avez bien vu, Mathieu il a cliff dans la piscine. Ce soir, on va essayer de dormir dedans. Et normalement on va passer une bonne nuit, si tout se passe bien. La petite casquette qui dépasse là, bah c'est notre piscine pour ce soir. Petite vue sur Singapour là-bas. Franchement, incroyable. Du coup, avec les gars, on est arrivé dans notre petit penthouse, bien stylé. Il y a une salle de sport et comme le sol c'est un tapis, bah du coup en fait on va tous se poser là, on va gonfler nos matelas de sol et puis on va passer une bonne nuit, je pense. Mais c'est quand même fou de pouvoir être dans un endroit comme ça. L'immeuble il fait 46 étages, je crois, et il y a personne dedans. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous franchement on a adoré venir tourner dans cette ville fantôme. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, on a une nouvelle collection de fringues. La veste elle sera en précommande, du coup profitez-en. Et puis nous en tout cas ça nous soutient de ouf pour mener des projets comme ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le shop, il y a des posters en plus de toutes les collections de fringues qu'on a. Puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao !